monde, alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de Birchbox. Ce week-end, j'ai posté un post sur le blog qui vous parlait de la soirée de lancement qui a eu lieu en Belgique à Bruxelles il y a plus ou moins 15 jours. Et lors de cette soirée de lancement, j'ai pu recevoir la Birchbox d'octobre ainsi qu'une des Birchbox de fin d'année. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Birchbox d'octobre. Alors pendant la soirée, j'ai reçu donc un petit goodie bag. Voilà le goodie bag, c'est un sac avec à l'intérieur donc les dossiers de presse. Je ne vais pas vous montrer ça de fin d'année et aussi des produits. Et comme je disais, j'ai reçu la Birchbox d'octobre qui est dans la boîte et la Birchbox de fin d'année prête à craquer partie. Où il y a des petits cônes, mais ça je ne vais pas vous la montrer aujourd'hui, je vais juste vous montrer celle d'octobre. Donc la Birchbox arrive en Belgique, elle ne coûte pas très cher, 13 euros si je me rappelle bien, et à l'intérieur elle contient 5 miniatures produits de beauté. Donc ça arrive dans une boîte par la poste, dans une boîte comme ceci. Quand on l'ouvre, on a une petite boîte Birchbox en carton. À l'intérieur de celle-là, il y a un petit feuillet pour la Belgique, Birchbox Belgique. Je vais vous lire ce qu'il y a noté dessus. Alors, Birchbox Belgique. Enfin, nous voilà, après des mois de préparation et d'attente, on vous a entendu sur les réseaux sociaux. Nous sommes ravis d'être enfin présents en Belgique. Vous faites partie de nos premières abonnées belges et comme toute première fois, il y a un mélange d'impatience et d'excitation. N'hésitez pas à partager vos impressions avec nous sur les réseaux @birchbox.fr. Si nous faisons désormais partie du quotidien de dizaines de milliers de Françaises, ce n'est pas encore le cas en Belgique. Alors, on compte sur vous pour parler de nous, amis, famille, collègues. En plus, on vous récompense dès que quelqu'un s'abonne à Birchbox grâce à vous. Nous avons vraiment hâte de faire plus ample connaissance avec vous toutes. Encore merci pour votre accueil et à tout de suite sur birchbox.be, l'équipe Birchbox. Tournez la carte pour découvrir tous vos avantages. Et alors derrière, il y a le système de points qui est expliqué. À savoir qu'il y a un parrainage qui rapporte des points et ces points permettent d'acheter sur l'e-shop de Birchbox. Sur cet e-shop, on peut retrouver les marques qu'on a dans les boîtes, mais aussi d'autres marques complémentaires. Voilà. Ensuite, on a aussi, donc pour la Birchbox d'octobre qui s'appelle Les Belles Choses, on a le petit menu. Voilà. Sur le menu, il y a l'introduction, écrite par Mathilde de l'équipe de Birchbox, ici. À l'intérieur, on a un descriptif de chaque produit avec aussi un petit mot explicatif de comment l'utiliser. Voilà, on a aussi bien sûr le prix du produit, la contenance, etc. Voilà ce petit feuillet, et à l'intérieur voilà les produits. Ça se présente dans un gros pochon, je l'ai pas encore ouvert. À l'intérieur, on a d'abord, je vais prendre le petit feuillet en même temps. Le numéro 4, High Performance Hair Care. Lumière d'hiver, super combe, prep and protect, préparateur et protecteur. Pardon. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le feuillet? On nous dit, je vais l'approcher. Quoi? Un coiffant multifonction qui hydrate des mains et protège les cheveux des différentes agressions qu'ils subissent au quotidien. Autrement dit, en un pchit, vos cheveux sont prêts. Le genre de geste pratique qu'on adore pour les matins d'automne où on préfère rester 5 minutes de plus sous la couette que dans la salle de bain. Voilà. Donc en gros, c'est un spray coiffant pour l'hiver. C'est un 30 ml. Ensuite, on a de Huygens, un lait pour le corps.
Pour celui-là, on nous dit la spécialité de cette marque Made in France, la cosmétique naturelle sur mesure. Dans leur sublime boutique parisienne du Marais, ils parfument les produits aux huiles essentielles de votre choix. Regardez sur votre tube, le lait a été personnalisé pour Birchbox avec la verveine Doigens. Doigens, c'est pas comment on dit. Un mélange qui laisse la peau fraîche grâce au cocktail de trois menthes. Composé de 99% d'ingrédients d'origine naturelle, ce lait pénètre instantanément. Voilà. Ensuite, on a. Alors, ceci, c'est une touche de couleur pour joues et lèvres. Donc, c'est un make-up. Mieux, je pense. Alors, c'est le Stegnac. Voilà. De Balm Cosmetics. Difficile à croire vu l'état de notre salle de bain, mais nous sommes plutôt les six morts. Pourquoi utiliser deux produits différents quand un seul peut nous suffire? Ce gel 2 en 1 lèvres et joues nous fait un teint balade en plein air en 2 secondes grâce à son film naturel et transparent. Donc c'est un 2 en 1 qui peut servir pour les joues et les lèvres. Je vais le sortir, je vais l'ouvrir. Je vais en mettre un peu sur mon bras. Se voit bien quand même. À tester. Ensuite, on a un vernis rouge. Le rouge, c'est une couleur très prisée dans la box de beauté. C'est celui qu'on retrouve à chaque fois, c'est un rouge. C'est un vernis de Lollipops Paris. On nous dit dessus, vernis à ongles, voyage à Paris. Des ongles soignés donnent une touche de chic au plus simple des looks. Ce vernis habille les ongles d'un rouge intense. Avec nos vies de femmes actives, on apprécie l'effet durcisseur résistant au choc. Le pinceau élancé facilite l'application, plus d'excuses pour déraper. Alors, je vais regarder le pinceau. En effet, le pinceau est quand même plutôt épais. Voilà. Et je testerai bientôt ce rouge. Alors, il faut savoir que j'ai, à mon avis, je vais trouver autour du 20-30 rouges dans ma collection de vernis. Enfin, un de plus. On verra. Ensuite, dernier produit de cette Birchbox, décidément, j'ai du mal à le lire. C'est une crème pulpe main, hydratation et nutrition de Écosse, de Natura Écosse. Voilà la boîte. Alors, on nous dit dessus, marque numéro 1 des cosmétiques au Brésil, Natura Brasil, propose des produits qui transmettent le bem estar bem, le bien-être bien. Bien-être personnel, mais aussi être bien vis-à-vis des consommateurs. L'histoire de cette crème, elle a été conçue après qu'a été remarqué l'effet de la castanla sur les mains des femmes. Il la récoltait plus douce, plus belle, plus hydratée. Avec son packaging respectueux de l'environnement et sa formule dont la majorité des ingrédients sont ici issus de la biodiversité brésilienne, cette crème pour les mains a tout pour plaire. En plus d'hydrater, elle fortifie les ongles. Utile après les bains de mer et ou piscine prolongée. Voilà, je vais ouvrir. Je vais en mettre déjà un petit peu sur ma main. C'est une crème pas blanche, elle a plutôt de couleur crème. On va voir si elle fortifie. Alors la meilleure crème
que j'ai pour fortifier les ongles, en tout cas, elle est très épaisse, elle sent vraiment très bon. C'est une crème de biotherme, celle-ci, celle de biotherme, allez, 30 secondes après l'avoir mis, on sent déjà que les ongles sont durs. Celle-ci, on va voir combien de temps elle fait effet. Elle est très épaisse, elle est un. J'ai du mal à dire comment la décrire, mais elle sèche rapidement, je la sens déjà sécher. Je crois qu'elle a déjà pénétré assez bien et effectivement elle donne les mains bien douces. Voilà. Alors pour les ongles, pour le moment ils sont pas très très durs. Mais on verra, à mon avis ça va venir dans quelques minutes si on dit qu'elle fortifie les ongles. Voilà. Alors vous avez vu tout le contenu de la Birchbox. Je vais vous les remontrer. Donc on a la crème pour les mains de Écosse. On a le vernis rouge de Lollipops. On a le lait pour le corps d'Eugène's. Je sais pas si on dit Eugène's ou Eugène's. On a le 2 en 1 pour les lèvres et les joues. Donc c'est un blush et un lipstick en même temps. Un gloss plutôt. De Stenyac. Et pour finir, on a le préparateur et protecteur pour cheveux de numéro 4. Donc ça fait 5 produits dans cette Birchbox d'octobre. La Birchbox me semble très chouette. Alors elle coûte vraiment pas cher, 13 euros en Belgique sans supplément. Donc les frais de port sont compris. Les produits qui sont intéressants sont des marques que je ne connais pas du tout. Eugène's, il me semble que je l'avais déjà vu auparavant. Et je l'ai surtout vu aussi à la soirée d'ensemble. Ils avaient plusieurs produits représentés. Le vernis, je dirais que c'est celui qui me plaît le moins. Parce que comme je vous disais, j'en ai déjà des dizaines. J'adore les rouges. Je porte très très souvent du rouge sur mes ongles. Mais je trouve ça dommage que dans les boîtes de beauté, ils mettent souvent du rouge ou du rose. Parce qu'il y a tellement de couleurs dans les vernis qu'ils pourraient facilement varier, mais non, ils mettent toujours du rouge. Voilà. Le 2 en 1 pour les joues et les lèvres de Stenyac, ça me paraît intéressant, surtout pour le format qui est tout petit, facile à emporter dans son sac. Maintenant, on verra si ça va bien marcher. Pour le moment, j'ai du rouge à lèvres, donc je ne vais pas le tester tout de suite. Le produit pour les cheveux, c'est toujours intéressant aussi. C'est aussi un petit format, et c'est toujours des petits formats dans la Birchbox. C'est ça qui me semble vraiment particulier et pratique surtout. La crème pour les mains, elle rend les mains douces. C'est mon premier test en même temps que je vous montre ce qu'il y a dans la Birchbox. Elle rend les mains douces, mais un peu grasses, je trouve. Enfin, une crème pour les mains, c'est toujours utile, surtout en hiver, vu qu'on a souvent les mains très très sèches. Et le lait pour le corps, c'est un basique aussi des Beauty Box, qui au final sert toujours un moment ou un autre. Voilà, comme ça vous avez vu tout le contenu de la Birchbox. Je vais vous dire un dernier petit mot sur cette box. Donc, elle coûte 13 euros, elle est sur abonnement, donc on la reçoit tous les mois dans sa boîte aux lettres. Mais il est aussi possible d'offrir des cartes cadeaux de 3, 6 mois et 12 mois. Donc, vous pouvez facilement les offrir ou vous prendre vous-même une carte cadeau. Moi, je faisais souvent ça. J'ai commencé par ça avec ma Little Box en tout cas. Donc, je m'abonnais 3 mois, 3 mois. Et finalement, j'ai continué à faire l'abonnement. C'est une box qui a déjà plus ou moins 800 000 abonnés à travers le monde. C'est une box américaine à la base qui a eu un énorme succès et qui a toujours un très grand succès et qui me semble effectivement très intéressante pour la Belgique où il y a vraiment un manque de beauty box. À part la boîte d'Hortense qui est plus chère de mes souvenirs, c'est une 20aine d'euros, mais qui est aussi très différente parce que Hortense se base vraiment sur des produits belges et naturels. C'est vraiment une bonne box aussi. Et on a aussi droit à ma boîte à beauté qui est encore plus chère. Ça doit être du 30 ou du 35, je ne sais plus. Je vous mettrai ça dans la bulle sur la vidéo.
qui est très 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 intéressante aussi, étant donné que c'est que des full size, mais et des produits intéressants aussi naturels, souvent, et des marques peu connues. Mais le problème avec les full size et les produits de beauté et des box de manière générale, c'est que ça prend énormément de place. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'accumule des dizaines de produits dans ma salle de bain qui sont dans mes armoires que j'ai pas encore eu le temps de tester. Et c'est ça, je trouve, un grand avantage de Birchbox, car c'est des tout petits formats qui donc sont finis vraiment rapidement en principe et qui se rangent n'importe où aussi, ils prennent pas beaucoup de place, et ça, c'est très très chouette. Voilà, j'ai rien de spécial à vous dire en plus, je pense. J'ai posté donc ce week-end ma review de la soirée qui a eu lieu en Belgique il y a 15 jours. Vous pouvez voir des photos de la déco, etc. Il y avait aussi certaines marques qui étaient représentées, donc il y avait plusieurs produits qui étaient sur les étagères, etc. Et il y a aussi les box de fin d'année, notamment la Birchbox Home, qui coûte une quarantaine d'euros et qui est une Birchbox spéciale et spéciale déco. Voilà. Il y a aussi les Birchbox de fin d'année, donc de Noël. Il y en aura deux. La première, ça va être une simple avec 4 ou 5, 4 produits, je crois. 4 produits, donc c'est celle que j'ai, mais que je ne vais pas encore vous montrer. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo. On va passer à celle-ci. Voilà. Hop, avec les petits cônes. Mais vous avez aussi l'autre prête à craquer. C'est la prête à craquer partie, dans laquelle vous retrouverez des produits cosmétiques et une carte d'abonnement. Alors, vous pouvez la choisir entre 3, 6 et 12 mois aussi. Et je trouve que c'est un cadeau parfait. Déjà pour découvrir la Birchbox, sa première Birchbox, ainsi que pour offrir par la suite donc des Birchbox suivants. Je pense que c'est vraiment le cadeau parfait pour la fin d'année. Voilà. Et cette Birchbox-ci, donc la classique, est sur abonnement tous les mois pour 13 euros. Pour le moment, le site est en français, mais une version néerlandaise va arriver bientôt. Ils étaient en train de la faire. Pour la Birchbox Home, c'est important de savoir aussi qu'il y a une waiting list. Donc, c'est mieux de s'y inscrire parce qu'elle va être en édition apparemment très limitée. Et donc, on n'aura pas pour tout le monde. Il vaut mieux s'inscrire. Les liens sont sur mon post de dimanche, mais je les remettrai aussi sous la vidéo et sur ma review de la Birchbox sur le blog, qui montrera les photos de la Birchbox. Donc ce sera un post normal et vous avez à côté la vidéo qui sera postée sur la chaîne YouTube complémentaire. Voilà. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette Birchbox. J'espère qu'elle vous plaît. Moi en tout cas, je suis très contente qu'elle soit arrivée en Belgique. Et je pense que je vais prendre quelques mois. À mon avis, une carte cadeau de 3 mois, je verrai bien. Et voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et bien, à la prochaine pour la prochaine vidéo.